ce livre-là, pour nous, c'est un outil pour aller à la rencontre et ouvrir l'échange. Le premier, ça sera le 7 juillet. On va enfin pouvoir déconfiner le débat autour de ce livre. Et voilà, sa vocation, il est aussi d'être un support à l'échange, au débat et après à l'action. Donc voilà, on n'a qu'une hâte, c'est de rencontrer les lectrices et les lecteurs et d'aller en chercher d'autres. Mars 2019, on préparait le suivi du procès avec l'idée qu'il allait falloir tenir sur la durée puisque c'était un procès qui s'annonçait sur plus de 2 mois. Donc on voyait à quel point ça allait être difficile de pouvoir suivre ça au quotidien et pouvoir aussi rendre compte vers l'extérieur de ce qui se passait à l'intérieur du tribunal. Et l'idée a fusé, mais sans demander à des gens différents de venir pour rendre compte des audiences. On s'est dit, les gens du collectif Plus perdre sa vie, elle a gagné, les gens de l'association Henri Pesera avec lesquels on travaille. On a cherché aussi à avoir une vraie diversité dans les points de vue, parce que on s'est dit que ce serait pas très intéressant si on invitait que des sociologues ou que des écrivains de polar. On s'est dit que ce serait intéressant de rythmer un petit peu par différentes formes d'écriture. L'idée c'était pas d'avoir des comptes rendus journalistiques, mais vraiment des points de vue. Et donc pas forcément raconter l'ensemble de l'audience. Donc on s'est lancé. Au moment où le procès a commencé, on était loin d'avoir rempli toutes les cases des audiences. Mais au fil du temps, on a des gens qui nous ont répondu, des gens qui se sont proposés, des gens qui sont venus à des audiences, d'autres qui étaient invités et qui ont dit « Ah, mais je connais telle ou telle personne ». Je pense par exemple Xavier Mathieu. Stéphane Brisé, le réalisateur, ça m'intéresserait sûrement. Donc, il me donne ses coordonnées et j'appelle Stéphane, qui au début hésite et se demande s'il est légitime à venir faire ça. Et puis, il finit par venir et puis il reviendra même plusieurs fois pendant le procès, tellement il aura été intéressé par ce qui se joue dans ses audiences. Et au fil de l'eau, du coup, on a rempli, et plus que rempli, parce qu'il y avait des audiences. Le jour où Stéphane Brisé était là, il y avait aussi avec lui Emmanuel Dockès, par exemple. On a eu sur plusieurs audiences des binômes qui se sont constitués. Et on a même des textes qu'on a publiés beaucoup plus tard, comme le texte de la romancière Sandra Lulbet, qu'on a publié au moment du verdict au mois de décembre. Je crois savoir que à partir de son expérience pendant ce procès, elle a un roman qui sort directement inspiré de ça, qui sort au seuil à la fin août de cette année 2020. Et après, beaucoup de celles et ceux qui ont écrit m'ont dit, après avoir vécu ces audiences, que ça les avait touchés, transformés, enrichis, et que ça leur avait apporté beaucoup de choses. Donc je pense que oui, en tout cas moi, qui ai passé 2 mois dans ce tribunal, j'en suis sorti pas indemne, mais en même temps beaucoup plus fort, et en ayant compris encore plus de choses dans les ressorts, parce que, comme le dit de manière magnifique le texte de Rachel Saada, la manière dont la présidente et ses assesseurs ont animé et conduit ce procès était remarquable. Elle est allée dans le détail de chaque décision, dans le détail de tous les éléments qui avaient été saisis, et elle a mis vraiment à nu la mécanique terrible qui avait permis ce qui s'est passé à France Télécom, et mis à nu du coup les responsabilités directes de ceux qui ont été condamnés. Et ce mécanisme-là, qui a été mis en place par le tribunal, c'est aussi ce qui a permis que ce livre puisse être cohérent et tenir debout. Parce qu'en fait, elle avait tracé un cadre qu'on n'avait plus après qu'à occuper et à remplir avec d'autres regards et d'autres touches.